on est arrivé. Alors, je vous présente. Aujourd'hui, on est à l'abbaye d'Aulne. Un petit tour comme ça. Vous allez voir, c'est super sympa. Malgré que ce soit le premier jour de vraiment gla-gla. Voilà, on est au cœur de l'abbaye d'Aulne. Un endroit vraiment chouette, vraiment sympa. Très très sympa. Il y a juste un tout petit détail, mais trois fois rien. Ça va être adressé un petit peu aux responsables du site. Franchement, je trouve que c'est un petit peu honteux. Mais bon, après ça ne concerne que moi, hein. Peut-être que des gens trouvent que c'est normal et tout à fait logique. Alors oui, c'est un petit peu un coup de gueule, quoi. Hein, voilà. À propos de l'abbaye d'Aulne, n'est-ce pas, qui est, je le rappelle, un lieu hautement touristique. Enfin, du moins, c'est ce qui est marqué un petit peu à droite et à gauche. Mais en fait, il y a un petit peu. Voilà, où ils disent que c'est depuis 1767. Mais j'ai eu envie d'aller faire un petit tour aux toilettes. Bah, souvent, moi, je vais aux toilettes. Et honnêtement. Voilà ce que je trouve. Alors, moi je veux bien, hein. Mais je tiens quand même à rappeler à ces chers dirigeants, voilà, qu'on dise pas que c'est, hein, d'accord, je tiens quand même à leur rappeler que je paye 4 euros pour juste faire un petit tour ici. Visiter un petit peu et de me retrouver avec une telle porcherie, je trouve que c'est un peu honteux. Mais c'est vrai que voilà, on va dire qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils n'ont pas les moyens, mais alors fais ça gratuit, quoi, fais ça gratuitement, voilà. Parce que 1, c'est un non-respect du lieu, 2, c'est un non-respect du public, et 3, 4 euros l'entrée par personne pour voir des ruines, admettons. Mais alors là, pour voir de la merde. Merci. Merci beaucoup. Continuons la visite. Ça fait un petit peu peur, hein, quand même, hein. T'as l'impression d'être à une autre époque, tu vois. Tu vis vraiment une autre époque. Allez, hein, on continue. J'imagine un petit peu les moines cisterciens de l'époque. Ça devait être quand même assez impressionnant, quoi. Avec tous ces jardins, c'est... Tout à l'heure, la salle, le réfectoire, était vraiment sympa. C'était vraiment grand, quoi. Regardez ça.
ça vaut vraiment le coup. Allez, on continue un peu. On est toujours à Tuin. Tuin, le petit Tuin. On va voir les jardins suspendus ce coup-ci. Je suis toujours accompagné de ma fidèle assistante. Mais j'aime autant dire que voilà quoi. Hein. On m'a dit, c'est en bas. Et quand tu arrives en bas, tu continues à descendre. Ouais, mais après, pour remonter, il n'y a pas de funiculaire. Hein. Tu vois, ça descend autant qu'à Lisbonne. Forcément, ça remonte autant. Mais il n'y a pas de funiculaire. Hein. Là, non, tu te démerdes. C'est avec la petite patoune. Hein. Je viens de voir une araignée ici qui sort de mon micro. C'était assez effrayant. Quoi. C'est pas là. Bon, on s'est trompé. Mais moi, je regrette pas de m'être trompé. Parce que c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment, vraiment chouette. J'adore ces petits chemins comme ça, un petit peu sinueux. Un petit peu visqueux. Pas dangereux, mais non, très sympa. Et où tu tombes sur des maisons magnifiques comme ça. Regarde ça. Tu te croirais presque en Californie. Enfin, j'exagère un petit peu. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Je parle de la Californie, peut-être parce qu'elle brûle en ce moment. Et je trouve que c'est dommage. Voilà. Donc si toi aussi tu trouves que la Californie qui brûle, c'est dommage, mets un petit commentaire. Hein ? En fait, on s'est un petit peu gouré de route. Là où on avait tourné, tu sais, la maison, genre l'architecte et tout, la Californie, tu vois. Et bien en fait, c'était là. Il fallait y aller. Et tout redescendre. Voilà. Bon, c'est pas grave, on y retourne. On dirait l'heure de la soupe. Moi j'ai faim. Bon, mais voilà, hein. Les jardins suspendus, ils sont trop suspendus, on n'arrive pas à les voir. Bon, d'accord, ok. Donc en fait, il faut descendre tout en bas et tu les vois de en haut. Mais en gros, c'est à peu près ça. Je vais te les faire voir. Voilà, tu vois. C'est ça, à peu près comme ça. Voilà, c'est les jardins qui appartenaient sûrement au peuple. Hein ? Qui veut venir faire leurs légumes ou quoi ici, parce que je crois qu'il n'y a rien d'autre qui pouvait venir ici. Là, c'est pour ça qu'il y a marqué madame par exemple toujours ou toujours le 14 décembre 1976 ou 76 si tu viens de France. Donc voilà quoi, hein. Oui c'est ça, ouais, ça devait être des petits jardins qui appartenait aux gens. Voilà. Et ben écoute, cette vidéo n'aura pas été bien longue, mais elle t'aura fait découvrir une autre partie de la ville de Tuin qui te donnera, j'espère, l'envie de venir faire un tour par ici. Allez, sur ce, je te laisse. N'oublie pas, tu t'abonnes. Tu mets un pouce bleu, tu actionnes la petite cloche et je te revois très bientôt. Ciao ciao. Oh, ça grimpe, hein.